bonsoir, moi c'est Zerdin et on se retrouve sur Bloodborne, Burnborne, Bloodborne, Bloodgore, plein de mots, il y a plein de noms qui riment avec Bloodborne. Et là on se retrouve sur le continuer. On lance la partie, voilà. Alors je vais vous faire court, le vieux Yarman, c'est dur, il y avait deux mecs qu'il fallait buter, un avec sa mitraillette et un avec son épée que j'avais peur de tuer en fait. Je vais vous faire court. Quand on va être dedans, oh non. Non, c'est bon, je viens de réaliser que j'avais fait de la merde, mais en fait c'était pas de la merde, c'était bien. J'ai trouvé un nouveau passage que j'ai extrêmement galéré pour le trouver. Voilà, où je suis ici, même pas du tout. Ah si. Donc je vais retourner en arrière, comme ça vous allez comprendre. Et j'ai farmé en mode gros chinois. J'aime bien les chinois, mais c'est juste, voilà. On fait le rapprochement direct quand on dit farmage. J'ai le marteau, j'ai passé environ 15 niveaux. J'ai défoncé tout, il n'y a plus aucun monstre dans cette zone. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de corbeaux, il n'y a plus que dalle. Là, il y a du bruit de ouf. Alors, on va remonter. On remonte par là, l'échelle de l'amour, où il y avait une porte secrète, où on avait peur de se retrouver, même, à la fin. Et j'ai farmé tellement fort, en fait, que bah, j'ai compris comment marchait le jeu. Et j'ai trouvé cette armure aussi, qui est complètement stylée. C'est l'armure du chasseur carbonisé, je crois. Elle était dans un endroit secret, je vais aller vous le montrer aussi. Donc ici, je sais pas si vous souvenez quand je suis arrivé la première fois ici. Il en reste un là-bas. Il y avait un gars hyper vénère ici, c'était un chasseur qui partait en couille. Il y avait son pote en haut de la tour, de celle-là où je vise là, l'horloge. Je l'ai tué, mais en fait je filmais quand je l'ai tué, mais j'ai tellement ragé que j'ai préféré pas le mettre. Parce que j'ai recommencé 4 ou 5 fois. Celui-là aussi, enfin je l'ai fait 2 fois vu que j'avais passé mes niveaux avant de le buter. En 2 fois je l'ai réussi, mais celui d'en haut j'ai pété un câble, j'ai cru que j'allais même arrêter l'SP tellement ça me saoulait. Du coup là on est bien, on a plein de marteaux, et je vais buter celui qui reste. Voilà la douleur de mon épée. Et je préfère me battre juste avec l'épée parce que... Oh. Wow, je t'avais pas vu toi. Je commence direct au taquet. Et ça, les yeux quand ils brillent, on récupère des échos de sang, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Tac. J'ai trouvé une longue vue aussi, c'est assez sympa. Regardez à quoi ça sert, ça zoom. C'est super stylé. Ça, je l'ai trouvé, bah, je pense que je vais refaire un petit... Eh, mais ils ont respawn en fait. Je crois qu'ils respawnaient pas. Ah merde, et je crois qu'ils respawnaient pas les mecs. Ah, vu que j'ai quitté, je suis revenu après, ça a spawné. Ok, bah, j'ai manqué mon truc encore. Ok, là je suis mauvais sur l'entraînement, c'est l'échauffement. Voilà, empoisonnement lent. C'est pas cool, c'est pas cool du tout. Ça. Hop. Les antidotes, ça permet. Oh. C'est pas caca ici, hein. Les mecs, ils posent sa pêche, ils croient que je l'ai pas vu, mais tu crois où? Voilà, on s'en bat les couilles, on va tracer. Je vais démontrer où j'ai trouvé la tenue. Donc là c'est où il y a le bonhomme. Ici il y a une échelle pour monter vers le haut là. Parce qu'on monte pas vers le bas non plus. Oh putain, j'étais fou. Là on. En fait ce qu'il faut faire c'est qu'on saute ici, comme ça. Oh. On tombe. C'est normal. Et ici il y a du monde. Il y a plein de monde même. On passe par là. Ah ouais, il y avait pas autant de monde que je pensais en fait. Hop. Hop. Sois sifflard ma gueule. Oula, il m'a beaucoup en fait. Ça pue la merde dans les escaliers comme ça là. Non, ne vise pas lui. Ouais, lui. Peur cela. On va tracer, on s'en fout d'eux, on trace. Tac. On monte nos escaliers. Et là, ici, il y a une chaise, elle a disparu. Il y a une chaise avec un bonhomme. Non, elle est là. Il y a une chaise, et sur cette chaise, voilà, il y a le bonhomme. Mais il y a le petit truc qui brille dessus là, quand on l'a pas récupéré. Et on récupère l'armure que j'ai. C'est de l'armure, c'est celle-là, la tenue du chasseur carbonisé. Elle est un peu mieux sur certains points, mais ça baisse quelques points. Mais elle est assez stylée, on peut le dire. Elle est complètement stylée, même. Et ici, hop, on repasse par là. Donc,
peu tôt, et puis on va sur la suite du Yerman. J'ai vraiment eu du mal à le buter, le gros là. C'était pas rouge. Ah, par là. Le mec en haut là, il, en plus il se remettait les antidotes, l'IA là. Donc j'ai vraiment galéré un bon coup là. Et du coup j'ai passé quelques niveaux, j'ai farmé à mort. J'ai récupéré pas mal de trucs, j'ai fortifié mon arme aussi. J'ai mis une gemme sanglante dedans. Hop. Et j'ai appris un petit peu à jouer. Ça apparaît spawn ici, non c'est bon. J'ai même cru que j'allais devoir aller dans un tuto pour savoir trouver la suite. Mais non c'est bon. Donc là je ne connais pas, j'étais devant cette porte, je me suis dit non, on va pas aller plus loin. Là c'est la découverte. Toi, je vais te brûler les poils. Je sais pas pourquoi son pote il est allongé par terre là. Oula. Oh, toi t'es mort dans le style le plus stylé qui peut exister. Oh, j'ai 14 000 boules sur moi. Oh, c'est bien. Ah ouais, j'ai trouvé un écho de sens pour ça. Oh, la découverte. Et je crois que là c'est... Ouais, c'est ça que je voyais. J'étais là et puis je voyais le pont, mais je me disais pourquoi... par où on passe là. Du coup, ça commence à me faire chier là. Et j'ai trouvé un endroit en fait. J'ai passé environ 100 000 fois devant. Et je l'ai trouvé cet endroit. Au pif. On peut pas frapper à la porte. Oh. Car annulé de sang de monstre. Alors ça, c'est la première fois que je ramasse. Oh putain! Enculé de merde! Je t'avais pas vu là! Oh putain de merde! J'ai eu peur! Je crois que j'ai crié dans le micro, je suis désolé. Ça, j'ai mon cœur, il bat vide là. Putain. Comme quand on a fait de l'endurance. Environ 20, 20, 30. Non putain! Mais c'est quoi? C'est la fête ici ou quoi là? Comment ça se passe? Wouah! On arrête les bêtises de cette façon. On arrête tout de suite. On arrête tout de suite. Oh. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de crier parce que là. Bon, le spectre, il dit quoi le spectre? Il tue et il meurt, je suis sûr. Comme d'hab. Il a tout pété la porte, t'es pas gentil. Il y a du bordel, ça sent l'enculage. Antidote, ça veut dire qu'il va sûrement... Oh bonjour, moi c'est Zardine. On continue. Il y a aussi un petit rapport au temps de vidéo. J'ai trouvé le moyen d'allonger les vidéos, enfin de les assembler grâce à YouTube. Vu que je fais le montage via Shark Factory, puis après je les assemble sur YouTube. Donc ça va sûrement faire peut-être des vidéos de 30 minutes ou je vais peut-être continuer de faire comme je fais d'habitude là. Mais je pense que je vais faire des vidéos de 30 minutes, ça va faire... parce que 15 minutes c'est bien parce que... En fait je sais pas parce que... Il y a des vidéos de 15 minutes c'est bien parce que quand t'as pas trop le temps, tu sais, tu veux regarder un petit truc. Là tu fais ça. Oh, on va pas y aller pour l'instant. Tu fais ça, toi tu regardes un petit truc tranquille, peut-être avant d'aller dormir ou voilà. Et des vidéos de 30 minutes quand tu veux bien te poser, genre tu manges un petit truc, tu prends ton goûter, là t'es bien. Pour ça j'hésite un petit peu de continuer en 15 minutes ou les cumuler en 30 minutes. Je sais pas, je vais voir. Puis bah vous verrez sûrement. Putain mais même le spectre il me fait peur. Pardon, hop. Donc là je suis où? Donc c'était la minute... La minute questionnement. Ah je sais où je suis. J'ai ouvert la porte où on était descendu la première fois là. Il y avait un petit truc tout bizarre avec des piles dans tous les sens là. Et puis là, il y a quoi tout en haut? Là il va y avoir un truc. Il y a que dalle. Ah c'est en bas alors, c'était juste un endroit... un endroit pour le passage. Tac. Oui, y a rien. Je vais redescendre et je vais continuer sur la voie principale. J'ai jamais eu autant peur dans le bout de bande que en espace de 2 minutes. C'est assez fou. Ah, ça sent le screamer. Ah, j'ai peur de toutes les portes maintenant là. C'est pas cool. On peut pas toquer? Non, on peut pas toquer. Et si, est-ce qu'on peut toquer? Ah, je suis désolé là, j'en peux plus là.
Arrête de crier là! Arrête de crier s'il te plaît, arrête de crier! Ouais, mais pourquoi il crie comme ça? Il commence à me faire peur lui. Faut que je le trouve là, j'aime pas quand il crie comme ça là. Était là, coquine! Coquine, 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 coquine. Voilà, j'ai pas envie de dire autre chose parce que t'es vraiment qu'une grosse coquine! J'espère que c'est la suite parce que. Ouais, c'est la suite, c'est bien. Balle de vif argent. Ok! Je pourrais bientôt mettre aussi un nouveau flingue parce que j'ai acheté un flingue, il envoie du steak, on peut le dire. Du gros steak sarmer. Un gros steak sarmer. Mais je peux pas encore le mettre, j'ai pas assez les stats assez haut encore pour le mettre. Mais ces statues de merde là, elles me font peur. Oh merde, j'ai pas vu c'était quoi. Merde. Mince. Y'a personne là? Non. C'est vraiment glauque les statues comme ça. Hein. Elles sont toutes enchaînées. Wow. Oh là 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 là, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je me chie déjà dessus. Oh regarde, ma massue elle va en dessous le mur. Oh, ah non, j'ai halluciné. Wow, le spectre. Non, il y avait rien. Putain, mais faut que j'arrête, j'hallucine. Mais c'est la grosse meuf qu'on voit dans le thriller là. Avec les tentacules, enfin c'est pas tentacules, alors on dirait qu'elle a un drap de poule. Ah non, c'est pas du tout ça, j'hallucine encore. Si, c'est ça. C'est ça. Ça, vous voyez les gens, c'est un boss ça. Donc ce qu'on va faire, on va préparer les cocktails Molotov. Ah, j'ai trouvé quelque chose, je pense que je vais le mettre. Ça, on va enlever. On va mettre le papier de feu. Et ça, le papier de feu, si on appuie sur carré quand on a une arme en main, ça met l'arme en feu. Et c'est complètement stylé. Je vais prendre le flingue. Et quand la main s'achève, j'ai pas peur. Non, non, j'ai pas peur. Oh, si j'ai peur. Focus là. Wouah, elle est hard celle-là, elle est hard, elle est très hard. Wouah la vache. Plus d'être rapide, elle est hard. J'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer dans une convitation là, j'aime pas ça les conventions. Non, je vais avoir plein de messages. Là on gère pas du tout. C'est quoi, c'est des moustiques qu'elle a sur elle ou quoi? J'ai plus l'endurance. M'a empoisonné. Non, non, empoisonnement. Non, pas cool. C'est bon, l'endurance, il est remonté. Non. C'est l'empoisonnement, il me nique tout. Ouais, mais ça lui fait rien, non, je suis mort. Oh la vache, elle est hardcore celle-là. Elle est vraiment hardcore. J'ai perdu 17 000 boules, putain de merde. Ça fait mal au cul, ça fait très mal au cul. Il faut que je refasse tout ce bordel de chiasse de chemin de merde. Ok. Ellipse, je pense. Où on va voir. Ça se trouve, il y avait un bouton à appuyer là. Attends, faut que je repasse tout cette chiasse là. Ce qui me fait chier en fait dans Bloodborne, c'est pas le jeu en lui-même, c'est le temps que tu mets à retourner au boss à chaque fois. C'est assez chiant, on va le dire clairement. Et je vais devoir aller acheter. Non mais j'ai plus d'argent. Ça sent la merde. Bon allez, Ellipse.